Bonjour, je suis Manga Romaine Karine. Aujourd'hui, c'est mon jour de soutenance. Je tiens à vous rappeler que c'est un peu stressant, mais je sais que ça va aller. Parce que je me suis beaucoup battue 7 ans d'année, vraiment, ce n'était pas facile. Mais je remercie déjà tous ceux qui viennent aujourd'hui me soutenir. Je dis merci. Mais ce qui me fait mal, papa, tu n'es pas là avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est à cause de certaines occupations, mais je sais que tu es de tout cœur avec moi. Je te dis merci. En ce qui concerne mon thème, c'est prévention et surveillance médicale des travailleurs directement affectés aux travaux sous rayonnement ionisant dans les formations sanitaires de Douala. Je suis fière de ce thème parce que grâce à ce thème, j'ai pu découvrir le monde paramédical en radiologie que j'avais tant négligé. Ça me fait du bien parce que lors de mes passages dans les différents services de radiologie, le personnel a été fier de moi parce que j'ai mené une sensibilisation en ce qui concerne la radioprotection. Pour le moment, la suite, c'est après. Je donne toute mon énergie. Maintenant, papa, surtout pour te faire plaisir. Merci. Évidemment, ici, il est question de nous présenter la quintessence de votre travail, résumé en un intervalle de temps de 15 minutes en français, enfin en une langue, et 5 minutes à l'autre langue. Merci, monsieur le président du jury, honorable membre du jury. Nous allons soumettre à votre appréciation notre travail qui s'intitule « Prévention et surveillance médicale des travailleurs directement affectés aux travaux sur les rayonnements ionisants dans les formations sanitaires de Douala ». Et pour le bon déroulement de notre exposé, nous allons suivre le plan ci-dessous. Après avoir présenté l'introduction, suivrons la question de recherche, les objectifs, la méthodologie, les résultats et discussions, la conclusion, et nous achèverons notre présentation par le résumé en langue anglaise. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, nous avons mené une étude transversale descriptive allant du mois de janvier à avril 2018 dans les formations sanitaires dotées de services utilisant des sources radioactives chez le personnel de santé directement affecté aux travaux sur l'environnement ionisant. Nous avons identifié toutes les formations sanitaires publiques de la ville de Douala de tous les niveaux confondus, d'abord le niveau central qui était représenté par l'hôpital général, l'hôpital génico, l'hôpital la Quintini de Douala, puis le niveau périphérique qui était représenté par les hôpitaux des districts de la ville de Douala. Votre travail, c'est un seul travail ou c'est deux travaux? Merci monsieur honorable membre du jury de nous avoir posé la question. Notre travail, c'est une thèse. Maintenant, vous avez dit sur cette figure-là, vous avez dit que vous avez exclu deux formations sanitaires publiques non conformes. Qu'est-ce que vous entendez par non conformes? Merci honorable membre du jury de nous avoir passé la parole. Non conforme chez nous, dans mon travail, c'est parce que ces formations sanitaires n'étaient pas dotées de services d'imagerie. Je supplie le dernier service. Je dis que ce récit est une formation très honorable à sortir de la félicitation du jury. Nous sommes
très heureux aujourd'hui d'avoir assisté à la soutenance de Romaine Karine Manga, qui aujourd'hui est devenue médecin. En ce jour du 5 juillet 2018, toute la famille Noix-Léon est vraiment contente. Bon, moi je suis Ludovic, le petit frère de Karine. L'émotion est vraiment très grande parce que je quitte directement de Boya comme ça, donc avec tous les contrôles de sécurité et tout et tout. Je suis carrément arrivé en retard, mais je suis là. Je suis Albert Oba, ami du docteur Manga Romain. Tout ce que je peux avoir, c'est un sentiment de joie d'avoir enfin parmi les miens un médecin. Mes émotions sont très satisfaisantes parce que ce travail n'a pas été facile. Mais à la fin, j'ai pu faire quelque chose. Quant au mariage et enfants, tout ça, on peut le faire au même moment, ça ne dérange pas. Mais quant aux études, je promets à mes parents, à mon papa surtout, que je vais continuer à fréquenter. Je dis merci à toute l'équipe de Air Force qui a accepté de venir embellir cette manifestation. Merci à toute la famille, à tous mes amis. Merci, j'ai même oublié. D'ailleurs, je dis merci à Dieu, Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui m'a donné cette force, le courage, la volonté de travailler et de passer tous mes 7 ans ici à Douala, sans famille, ce n'était pas facile. À tous mes camarades qui m'ont soutenu, vraiment, on a été une famille. J'aimerais que dans l'avenir, que nous soyons toujours soudés. Bon, le reste, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Merci. Merci.